Salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic et Tac. Les aventuriers. Toujours en Indonésie. Actuellement donc à Bali, à Uluwatu. Eh oui, on est arrivé hier à Bali. Nous sommes le lundi 7 octobre, il est 8h07. Il fait 26 degrés avec un ressenti à 31. Ouais. Salut ma France Macro. Ouais, bah ouais, j'ai pas ma montre. Et on se retrouve pour notre vidéo numéro 29 ici en Indonésie. Pour voir les dernières et les suivantes. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Bah oui, on n'oublie pas de s'abonner. Alors, on est arrivé hier dans notre villa qui s'appelle Villa Olea. On a montré dans la dernière vidéo un petit peu la chambre. Alors, c'était de nuit, hein, donc là, maintenant, le jour se lève, la piscine s'allume, c'est très mignon. C'est très petit, hein, c'est un peu une maison d'hôte, en fait, il y a trois chambres uniquement. Il y a une petite piscine comme ça que vous partagez à trois. Le petit-déj, c'est dans la cuisine derrière, là. Il y a un petit salon et une petite cuisine. C'est hyper familial et elles sont hyper accueillantes. Ah ouais, vraiment, elles sont souriantes. Elles sont très, très gentilles. Ouais. Bah, comme d'habitude, ici en Indonésie, dans tous les cas, c'est ça clair. Ne change pas. On va commencer notre journée, je vais dire un truc. Bah, par le petit déjeuner. Bah, voilà, on va commencer par le petit déjeuner. Et découverte de Uluwatu. On connaît déjà, et surtout, on va rejoindre en fait un ami, un couple d'amis qui habite ici, donc à Uluwatu. On va vous passer donc, on les sait pas voir. Ce que ça va donner on cette va vidéo, voir. Mais on restez connectés. Voilà, on vous emmène avec nous dans cette journée, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ici, ils ont un truc qu'on n'a encore jamais vu. Ici, c'est le café vietnamien, comme ça. Donc, je vais on a déjà perdu le Vietnam, mais pas ici. Oui, oui, mais pas ici. Oui, on a oublié de vous dire, en fait, on vous laisse avec les plans de drone, comme ça, vous voyez un petit peu où est située la villa. Ah oui. La villa, c'est celle où il y a la pizza. La pizza d'atterrissage. Non, c'est pas un aéroport, le bordel. C'est celle où il y a la piscine en triangle. Voilà, comme ça, vous voyez un peu la villa où on est. Il n'y a pas grand-chose autour. Il y a des endroits, c'est vraiment de la friche. Mais on est très proche de la plage et des falaises. Bon, allez. Oui, bois ton café, Ben. Allez, drôle. Oui, pourquoi? Parce que t'as demandé un piment entier. T'as vu, mais en fait, je voulais de la sauce. Il y a chili. Oui, et en fait, elle me dit un ou deux. Ben, j'ai dit un, parce qu'en fait, je voulais de la sauce pimentée plutôt, moi. Alors, les plans de drone, c'était comment d'ailleurs? Je sais pas, je les ai pas vus encore. Ah. Non, mais je vous demandais à vous, moi. Je crois que c'était beau, t'as pris quoi, toi, Ben? Alors, Mel a pris déjà un riz frit avec un cappuccino, donc on a le petit fruit, le jus de fruit. Moi, j'ai pris un pancake banana. Et puis j'ai le café vietnamien là qui est très bon, ouais. Fort mais très bon. Mais écoute, bon appétit hein. Allez, à plus. Et voilà, on est paré, direction bah, chez Ben, qui est installé ici depuis vraiment quelques années, avec une Indo. Oui, ouais, et Anna.
s'appelle Anna et ils font des jus traditionnels. On les avait déjà présentés dans nos dernières vidéos. On les avait déjà goûtés. Et puis là, ça a évolué a priori, donc on verra. On va discuter avec lui, on va le rencontrer, puis a priori, direction des plages, c'est ça ? Moi, j'irais bien aussi, ce marché aux poissons. Ouais, puis louer un scooter. C'était vraiment trop bien, ça. Ouais, ça, c'était cool, ouais. On le fera peut-être aujourd'hui ou demain, ouais, voilà, selon... Mais déjà un scooter, parce qu'il faut pouvoir bouger. Là, on prend un Gojek. Oui, c'est ça, c'est moins cher que Grapp. Ouais, 67 000 au lieu de 87 000. Il y a quand même 20 000 de différence en soi, c'est pas négligeable. Donc voilà, on reprend la route, c'est parti. One shot, let's go, let's go. Bon, on est bien arrivé. Ah, voilà les jus qu'il fait. Ça s'appelle Jamu Litinak. C'est open, il faut sonner. Ah, il fait ouvert, il faut sonner. Il a une boutique maintenant et tout. Hein, bon, par contre, ils n'ont pas de monnaie encore sur les taxis. Quoi. Ah, ouais. C'est fou, quoi. Donc en gros, on a payé 88 000. Non, il m'a rendu 22. Ah, donc 78. Quoi. 78 au lieu de 67, c'était ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ouais. Bon, c'est pas très grave. Là, il y a le stock de coco pour faire les jus. Ça va jusqu'à la chaîne. Bah d'ailleurs, c'est l'autre coco dans la piscine. Attends, vas-y, je fais le tour. C'est une piscine à l'eau de coco. Oui, tout à fait. Là, c'est bon, là, il y a le mec de la piscine qui est venu nettoyer. Ouais. Salut, Ben. Un petit coucou. T'es nul ou quoi? Un petit coucou. Pas compris. Et le chien. Salut, le chien. Et puis là, il y a le labo, en fait. Donc là, il habite ici. Et ici, il y a un labo où il fait tous les jus. Il y a du stock, hein, de turmeric. Ah ouais, ouais, tu vois les racines et tout, machin. Il y a les bouteilles derrière. Et puis t'as les bouteilles dans le frigo, ouais. À la découverte des jumelles. Ouais. Bon, en fait, il va nous faire une petite déguste de jus là pour se requinquer dès le matin. Déjà, mets un petit jus vert, épinard, persil, je vois, calme-toi. Calme-toi ton persil. En fait, c'est des jus un peu spéciaux, hein. C'est des jus plutôt. Ici, bien-être, voilà. Voilà, c'est. Le turmeric, c'est bien spécifique d'ici. Et donc là, on va regoûter les petits jus. Ça a évolué, hein, vachement évolué. On a demandé un jus de citron parce que vous nous connaissez, on adore ça. Mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a du gingembre, de la badiane qu'il a dit. Non, cardamone. Cardamone, ouais. Ouais, ce serait bien ça. Mais il est bien là dans sa petite villa pour produire et tout, c'est cool. Il a un petit truc pour accueillir devant, c'est nickel. Voilà, voilà. On passe un petit bonjour à... Ah, on vous dira peut-être le prix d'un jus aussi, non ? Ouais, on va donner le prix, ouais. Ah, bah oui, Michel Hénat, bah ouais, comment salut, ça Michel va Hénat. On est chez le fiston. Aussi à nous. On est chez le fiston et tout va bien. Voilà, ça va. Oh, ça va pas du tout. Donc voilà un petit peu tous les jus qu'ils proposent. Si vous êtes sur Bali et que vous cherchez des jus, ils sont sur les applications Grab et tout ça. Vous pouvez les retrouver et ici il y a les contacts aussi. Ah, on voit pas. Désolé pour le bruit, je suis au bord de la route. Donc ça c'est le turmeric. Ouais, genre ça c'est pas. Ça, cinnamon turmeric, traditionnel turmeric. 60 000, tu vois ça. Les petits 60 comme 000 ça. Ceux-là. Et puis il y a le grand jus de citron comme ça. Celui-ci c'est. Attends, je regarde, 80 000. Voilà, mais j'ai montré un petit peu la feuille avec tous les prix. Mais après, on va déguster ça. Bouteilles, hein. Après, l'autre coco, c'est 45 000 en bouteille, hein, déjà. Hein. C'est pas mal. Hein. Mais c'est joli, hein, le packaging est sympa. Hein. Ça me donne trop envie, ça, par contre. Moi. Ouais, carrément, ouais. Miam, miam. 80 000, on avait dit. Ah, c'était 80 000, ça ? Mais oui, on avait dit le bon prix. Bah, et oui, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Oui. Ça, c'est pas en vente, ça. Des petites bouteilles oui, comme ça. Oui, en fait, ça. C'est juste pour tester. Mais sinon, pour 60 000, vous avez donc la grande bouteille. Ouais. Mais si vous voulez en même temps de la cannelle, c'est 65 000 euros copia, voilà. Tu goûtes peut-être le jus de citron, ma belle. Je regoute, j'ai déjà goûté, mais j'adore ça. Sympa, hein. Moi, j'aime bien, hein, j'adore. Goûtez celui-ci, il est vraiment très, si vous venez vraiment, venez goûter les petits jus, là, c'est top. Tac, tac, ça s'appelle Jamu Ratina. Bon, on a trouvé notre petit scooter pour les jours à venir. Gros scooter, hein. Bah, là, il a plus de petit, ouais. C'est un X-Max. Je sais pas.
Ouais, c'est un N-Max. N-Max, N-Max, ouais, pardon, ouais. Ouais, c'est les gros, ça. Hein. C'est bien, bien gros. On paye 100 000 la journée. Voilà, on le prend sur 2 jours, après on va changer d'endroit. En fait, donc, on voulait un petit l'origine, mais le shop là, ils ont pas de petit, donc on s'est dit, tant pis, ouais, on prend le gros. Si vous voulez un petit, c'est plutôt 70 000 la journée. 70-80. Mais là, on sera au moins à l'aise, ouais, c'est clair. Tranquille, et puis voilà, quoi. Bon, direction la plage. Bah, bien évidemment. Ah, direction la plage, maintenant. Ah oui, on est arrivé où, Ben? Ah, bonne question, la plage de Pelangi. Mais non, Melasti. Melasti, c'était presque ça. Et c'est combien l'entrée à la plage? L'entrée à la plage est à 12 000 roupias par personne. Je sais pas, parce qu'on a un scooter, je suppose. Si tu viens à pied, est-ce que tu payes quand même? Je pense que oui. Non, pas à pied. Ouais, c'est pour le scooter. Ah, je sais pas. On sait jamais trop. Bon, au pire, voilà, c'est 12 000 par personne. Voilà, il y a la plage, il y a des resorts, il y a des transats, donc on va regarder tout ça. Pour tout le monde, il y en a qui veulent juste rester en mode pas trop cher, il y a des warung. Et sinon, vous avez tous les beach clubs, les beach clubs. Là, au taquet, quoi. Voilà. On va se renseigner. Au choix. Tu m'étonnes. T'imagines. Bon bah voilà, on s'est installé, on a trouvé des petits poufs, regardez on comme ça. On s'est posé donc Goa, Messali. Voilà, on a marché un tout petit peu sur la plage. Il y a des vagues ici, l'eau est un petit peu plus fraîche que ce qu'on a eu. Mais c'est très joli par contre. C'est magnifique, les falaises et tout, c'est grandiose. Donc dans ce bar, si vous voulez louer un transat, c'est 150 000 pour deux personnes. Pour deux personnes, voilà. 200 000 pour trois. Et pour les poufs, bah c'est gratos. Voilà. Et si vous voulez une petite bière, alors la Radler comme ça c'est 40 000 et celle-là Bintang, 60 000. Voilà, pour les grandes. Pour les grandes, comme ça. La grande, mais je préfère celle de citron. Moi, voilà. Santé. Bon bah on profite et puis bon, on va vous envoyer le drone, je pense. Ouais. Ah, là, ouais. C'est beau. Elle est froide. Elle est froide. T'as quoi, on s'est fait arnaquer. J'étais content, tu sais.
Et ici, il y a des vagues par contre. Hein. Il y a des plastiques. Il y a aussi du plastique. Ah, ouais. C'est froid. J'ai retrouvé du travail, j'ai trouvé du travail là. Et tu manges quoi, Ben? Bon, pour ce midi, on a prévu un petit nasi goreng simple, efficace. I am. C'est pas très gros, mais ça fera le taf. Là, sur la plage, ça vaut le détour. C'est quoi le prix? 60 000. T'as bon app, hein? Bah, bon app. Abandonné en ah fait. Ouais, carrément, on vous a laissé dans le sac. Entre temps, on est repassé chez notre pote. Ouais, on a bu un petit café et puis on s'est préparé pour aller au coucher de soleil. Donc on est rentré à la villa et donc là on est parti donc sur la plage qui s'appelle Dreamland Beach. Pour le coucher de soleil. Merde, non mais regardez, déjà ça c'est les scooters, ah, ça s'empile, ça s'empile. Ça c'est le ouais. Vas-y. Nous on n'est pas habitués à ce monde-là en fait. Oh mon dieu, ça fait la queue pour aller voir le sunset. Ah ouais, puis là c'est file d'attente. Bon par contre, bah, t'as ceux qui repartent de la plage. Très très prudent en scooter parce que là ça roule de merde. Hein. Ouais, puis c'est du sable, ça descend à fond, faut vraiment faire gaffe. Bon bah voilà, c'est parti pour le sunset. Ah, yes. Donc voilà à quoi ça ressemble, le petit parking, c'est ici, et puis vous avez la plage. Ouais, là c'est la plage des surfeurs, hein. Mais je crois que c'est la fin de journée pour eux, ils vont rentrer. Putain, le monde, impressionnant ce monde, hallucinant. On va trouver un petit coin pour se boire un cocktail. Bah oui. Ouais. Et je crois que ça fait un petit moment qu'ils sont pas venus chercher les poubelles, hein. Donc voilà, derrière ce qu'on a en visuel, et devant, attention, préparez-vous. Attention. Donc la plage, hein, y a quand même pas mal de monde. Et voilà. Et donc c'est fou, poubelle derrière, soleil devant, on est bien, c'est on ça, est bien. C'est ça. Ce monde, je suis choquée moi. Ouais, c'est clair, c'était pas comme ça quand on était jeune. Bon, on s'est dégoté une petite place. Ouais, regardez, on est pas mal, hein. Bon. Bah t'as pas montré. J'ai pas montré là. Bah non. Mais si là. Mais non là. Non mais non. on voit tout ah, le bord. Ah d'accord, je voulais pas montrer le soleil, on l'a déjà vu. Et en fait, lorsqu'on est venu ici il y a 3 ans ou 2 ans, je sais ouais. plus, on était à ce même bar. Il y avait un gars qui faisait du surf. Après là-bas, il y a un. Ah ouais. En montant un peu, il y a des trucs, je crois. Et on était les seuls ici. On commande, les on commande. On commande, on a. Your pina colada. Better make a start, give it all you got and jump into the deep and make it last a lifetime. Baby, you make me feel so complete. I'll give it one shot, make it hot. Show me what you bring. No, no, don't stop. Talk a lot, tell me what you think. One shot to a lifetime. Give you my all, yeah, yeah. Alors Ben, c'est bon. Sunset. Ouais, c'est pas le plus beau qu'on ait eu, mais il était mignon. Ça reste joli. On n'a pas fait le drone parce que... Il y avait beaucoup de drones qui volaient, et puis les endroits de décollage sont pas dingues. Par contre, le cocktail, bah, comment vous dire que bah, c'est... Comme les endroits de décollage. C'est pas validé. C'est pas dingue. Non, non, voilà. C'était 90 000, je sais même plus si on moi, l'avait mon cocktail, il sent le savon, quoi. Je pense que je vais faire des bulles avec ma bouche. Mais je crois que ton sirop de grenadine, là, est pas dingue. Ah, non, est pas je pense dingue. Qu'il est périmé depuis 10 ans. Non, non, c'est pas ouf. C'est un ouf. Sirop, mais un grenadine, toi, avec des savons grenadine Tahiti. Moi, je préférais largement ceux de Lombok à notre hôtel. Donc ouais. Voilà, si vous venez ici, prenez pas un cocktail. Voilà. Non, prenez une bière, mais bon, la bière, au bout d'un moment... Ou de l'eau, Ben. De l'eau. Il n'y a pas que des alcooliques sur notre chaîne. Hein. Et vous auriez pris quoi? De la bière ou un cocktail? Ou de l'eau. Mettez-le en commentaire. Bah ouais, bah ouais. Bon, maintenant, direction le manger. C'est pas tout ça, mais c'est le soir, faut manger.
On reprend le scoot et direction le resto. Et nous voici bien arrivés donc au restaurant japonais sushi. Shakariki. 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 Ouais. Voilà, juste là. Et donc ce soir, on mange sushi japonais. Ouais. On a ça fait longtemps, tiens, ça fait longtemps. Donc. Après, les prix, c'est limite un peu les mêmes prix que chez nous, quoi. Ouais, pas loin, un ouais. Un petit peu moins pas cher, loin. Je dirais. Mais on vous dira ça. Les prix de toute façon. On est accueillis avec un petit bol de soupe miso. De soupe miso. On a pris une petite grande bintang à 50 000. Après, il y a des taxes, il faut rajouter des 15% en fait de taxes. Ouais, c'est ça. On est accompagné ce soir, on est avec. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On n'est pas tout seul, il y a du monde en face. Bah oui. Et il y a vous aussi. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre là bah, pour, ouais, c'est ça. Pour l'instant, on a pris après, rien. Le lieu, il est mignon là. Ouais, l'ambiance est cool. Bah, je vous ai montré un peu la cuisine. C'est dans quelle zone, Ben? C'est comment Begin Begin Beach, voilà, c'est dans le coin. Toujours à Luatou. Hein. Ouais, dans le même coin, un petit peu, c'est juste le petit quartier, quoi. Voilà, le quartier un peu des restos et tout. Alors, bon, bah, on vous montre ce qu'on prend, comme d'hab. Ben, tu fais quoi? Je vais vérifier la chaleur. Voilà, on donc commence les avec des petites gyoza au saumon. Vas-y, toi. Donc là, c'est 50 000, je crois. 50 000, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Validé, pas validé? Validé. Il va super. Voilà. Et oui, voilà mon assiette pour ce soir. C'est que pour moi. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas mal, hein. On va se partager ce petit plateau sushi uniquement. Ça nous coûte 350 000 pour cette belle assiette. Il y a 34 pièces en tout. Bah écoute, on va goûter un petit truc. Oh, vas-y, j'arrive. On goûte un petit maquis. Allez, un petit maquis. On va savoir tout de suite, le petit maquis là, avec l'avocat à l'intérieur, bam bam. Toujours avec les doigts, je peux pas manger avec les baguettes. Ah, l'avocat. C'est validé ou non, Ben? L'avocat, il est bon ici. Hein. Ah, merde, attends. Tu valides? Non. C'est bon. Bon, allez, on vous retrouve après. On se retrouve le lendemain. On a oublié de clôturer la vidéo. Ouais, on a oublié de fermer, ouais. Non, non, c'est pas qu'on a oublié, c'est juste que je suis rentrée, moi. Boum. Petit éclaté. Et puis le temps de décharger un peu tous les trucs et tout, machin, c'était la fin. Oui, là, on est arrivé au bout du bout. On espère que cette vidéo vous a plu. Pour nous, c'était un plaisir de la faire, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, ça nous fait toujours plaisir. Je vois rien à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bon, alors c'est quoi ce bazar? Et puis à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, toujours en Indonésie. Et oui, et à toujours Bali. À Bali. Salut. Bye bye.